Hey, dans cette vidéo, je vais te dire comment avoir le bon temps à coup sûr alors que tu parles, et le bon temps grammatical alors que tu parles dans une conversation en anglais. Reste bien pour cette vidéo, mais avant, tu vas pouvoir liker cette vidéo, mettre un petit commentaire, me dire comment est-ce que ça t'aide, cette chaîne bilingue, et surtout t'abonner parce qu'on est bientôt aux 10 000. Au moment où je te parle, on est presque à 10 000, peut-être maintenant on est déjà à 11, 15, 20, 30 000, mais c'est vraiment beau de voir les paliers arriver. Il y a un an à peine, on passait les 1000 abonnés et donc la progression fut excellente. Merci, c'est grâce à toi. Et là, je te fais une petite vidéo qui va vraiment te plaire sur mais comment avoir le bon temps à coup sûr en grammaire anglaise. Trois choses que j'aime bien te dire. Number one, la grammaire anglaise est plutôt facile. Number two, il y a deux temps à identifier quand on parle de grammaire. Number three, je vais parler de deux accélérateurs incontournables qui vont te permettre d'avoir le temps à coup sûr. Avant ça, tu vas donc bien sûr pouvoir un peu plus bas aller voir ce dernier webinaire que j'ai mis en place, la méthode ultime utilisée par les entrepreneurs et apprenants aguerris pour parler anglais couramment sous 3 mois sans bouffer de la grammaire. Tu peux aller voir, c'est exceptionnel, tout pour le mindset, comment ne plus faire d'erreurs, comment avancer en anglais, comment avoir un bon accent, comment ne plus oublier ce que tu as appris, le vocabulaire. C'est vraiment top, tu peux mettre le lien de côté, il faut que tu ailles voir. Revenons au thème de la vidéo du jour. Happy Monday, by the way. Alors, la grammaire, elle est très facile en fait en anglais. Quand on est face au temps, avec les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, il, on est d'accord qu'en français, on change quasiment chaque fois. Je, suis, tu, es, il, est, nous sommes, vous êtes, tu vois. En anglais, à part quelques exceptions, ça changera au passé. 0 fois. Donc, je, tu, il, nous, vous, il, ce sera toujours acheter, 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 acheter. Tu te comprends, ce sera toujours le même verbe. Et au présent, il y a un petit changement. Donc, on met le S à la troisième personne du singulier, ça c'est sûr, ça c'est au présent en forme simple, d'accord? Et on a aussi le verbe être qui donne I am, he is, you, we, they are. Mais à part ça, en fait, tu n'as quasiment aucun changement au niveau de la grammaire. Donc, si tu sais ça, qu'en fait, la grammaire, elle est facile. En fait, si tu veux, la grammaire peut être un poids émotionnel lourd parce que tu dis, je suis nul en grammaire française. La grammaire, c'est déjà un mot qui est lourd de sens pour toi. Et donc, aborder la grammaire, tu te dis, ah, rappelle-toi, la grammaire anglaise, c'est facile. Donc, il y a peu de changements, ça t'aide à aborder beaucoup plus facilement. Il faut distinguer deux temps quand on parle de la grammaire. On va parler du temps grammatical et du temps chronologique. Le temps chronologique, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, demain, passé, présent, futur ou à venir, parce qu'il n'y a pas de temps du futur en anglais. Le futur en anglais, on emploie différents outils, mais il n'y a pas le temps du futur comme on l'a en français. Enfin bon. Et il faut se souvenir que le temps chronologique et grammatical, donc le passé au niveau de la grammaire, le présent au niveau de la grammaire, le futur au niveau de la grammaire, ne sont pas toujours en corrélation. Ça veut dire que des fois, le présent va être utilisé pour parler d'un futur. Des fois, le temps du passé va être utilisé pour un conditionnel. Des fois, en fait, il faut juste réaliser que ton temps chronologique et ton temps grammatical sont pas toujours en corrélation. Un exemple en français, hein, je pars demain à 10h. Je pars, quel temps? Présent. Pourtant, au chronologique, c'est demain, c'est au futur. Donc, le temps grammatical du présent en français peut souvent exprimer un futur. Pareil en anglais. Donc, il faut savoir que des fois, ton temps va, grammatical va pas forcément exprimer la corrélation immédiate avec la chronologie. Ok, ça va pour ça? Donc, il faut juste savoir, c'est un petit twist qui existe dans toutes les langues, mais il faut s'en rappeler. Deuxièmement, les deux accélérateurs pour ne pas faire, pour avoir le temps à coup sûr. Bah, le premier, il est là. Pour avoir un bon niveau, un résultat en anglais et donc avoir le bon temps, l'accélérateur numéro 1, c'est parler. Si tu ne parles pas, eh ben, tu auras des bons temps dans un quiz, mais ce n'est pas forcément que ça va être naturel, authentique et spontané dans une conversation. Le deuxième, c'est formation ou un suivi. Le suivi va te permettre de personnaliser ton dialogue, de personnaliser la formation. Et c'est exactement ce que moi je fais avec Bilingue et ce que je te propose de découvrir. En fait, cette méthode, elle est entièrement gratuite. C'est un webinaire que je te propose d'aller voir. Tu cliques dessus, tu mets ton nom, prénom, tu assistes à la prochaine étape et la prochaine viewing, la prochaine session. Et tu vas voir plein de choses qui vont t'aider à développer ton anglais. Donc, si tu veux avoir ces deux accélérateurs, tu vas voir ici. Si tu veux comprendre un peu plus sur ces deux temps chronologie grammaticale, tu vas voir en dessous. Et ensuite, si jamais tu veux encore découvrir sur la grammaire, tu vas voir en dessous, je dis tout ce que tu dois savoir sur l'anglais pour réussir à le parler en moins de 3 mois. I'll speak to you guys very soon. Have a brilliant day. Bye bye.